دونك سوهمني كيني مسقرنا الله يسعنا خام انا غفنا مضربي لا بارتو ربي نورمالمون يلي بارتو يلي اومنيسيون اومني بريزون كون فيكون نورمالمون ذا جاي كان اون دو اس بوزي لا كيسيون نشوف العجباكين الا نتوالي صورتي كان سخسيختي ماشيني نرجع دي نتقلو الناس داني ديني اش كتخدمو إنا استيداك قال الله قال الرسول وقال مع طبل والناس دونك السجين ندور كان افو مد المسلية في خام ربي خام ربي هذا خام ايوي نو فا دير لو بالي د الله بار كانت مسلية بلي جي لو كالكو با وسان كي جي في دي ريشيرش جي لو ان هيستوريان دون ان ارتيكل كان دو كولتور ايكونوميك اي جيوبوليتيك يون قرناس إيف مونتني سيت ان بلوغ ديستوريان اي ورد ان ليفغ دايوغ كي سو فون سور امازون جو بونس كو و بوفي لو تروفي فاسيلمون بور سو كي ام لا ليكتور اي مسكي ند ان تابو سي ميزولمون كي كيت الاسلام مالغري فنيس نخامو كنشتاقي اثقارم وكي اون ريبونس يو قاد يدي قارن 2 مليار 3 مليار ابارامون فان دي ستاتيستيك 2060 هذو غال نوك الدوني تتسوال تي نسلمت بون لارتيكل لي بيان سور يل دات دو 2021 ان ديسمبر 2021 ديجا اون فرانس باغي اون دي كاتيلير يا اون كرويونس تناس تنسلم تاغي ابارامون دارو لي زيميغري يا كولي كي اون ايتي ريسونسي كوم مسلمان Ils sont persuadés que les gens s'adaptent pour la vie, les générations à venir, en fait, ils parlent d'un certain gène de l'islam, le gène, c'est génétique. Exactement. Donc, il a fait une expérience, il a fait des recherches, il nous a montré qu'il n'y a rien de tout cela, c'est faux. يوك لي ستاتيستيك كي تتسكنا كابلي لي جون حيت من افواجن اكسيتيرا بلي الاسلام كان دو تيران يا بوكو دي كونفيرتي اي il y a des croyants beaucoup de croyants دونك لافيرماسيون هاكي هي لي فوس دابري لو شيرشور هيستوريان هاكي ابارامون يفقد لي سورس انسي سي دو بوغ لي سورس هاكي انسي تي داريغ Il y a eu des contacts personnels approfondis il a fait des recherches dans le Maghreb, le grand Maghreb. Et puis, bien sûr, les fréquentations grâce aux réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, etc., YouTube, il a trouvé, Billy, il y a beaucoup plus d'athées d'origine musulmane. Surtout, il y a des gens qui se font compter dans les réseaux sociaux, comme nous connaissons. Grâce à Internet, ils deviennent tous les chiffres qui sont les chiffres de 2 milliards, 3 milliards de musulmans. Et j'ai aimé parce qu'il y a eu des lectures, il y a eu des témoignages recueillis par des journalistes de communication universitaire. Il y a eu des sondages d'armes internationaux, dont ceux de Pew Research Center. Et de l'Arab Center for Research and Policy Studies, en anglais, Akegisqaran, les études arabes, recherche, études, centre de recherche et d'études arabes, je vais essayer de traduire même qui fait mal. Donc, Ougui Koulin, ils ont été appuyés par une thèse du monsieur Egui qui a fait le livre, qui s'appelle Houssam Ben Tabet. Vous pouvez vérifier. Et bien sûr, il a été dirigé par un certain directeur qui s'appelle Michel Boivin. Michel Boivin et la présidence de Philippe Portier. Donc, c'est une thèse qui a été reprise. Alors, vraiment, c'est les détails croustillants. Hein. Il parle de quoi? De l'abandon de l'islam. Abandon de l'islam. De l'irréligiosité. C'est pas évident à prononcer. Ça veut dire, attends, c'est qu'il y a un roumina, c'est un slint. Oui, alors, Francis, il renie catégoriquement de ne pas être musulman. Voilà, il renie, c'est un slint.
Donc, tu as fait l'édition France, l'Armatan 2020. Donc, il y a une semaine, c'est l'abandon de l'islam, bien détaillé, etc. Tu as fait la source et je vous allez vérifier. Donc, la thèse qui m'a intéressée, d'ailleurs, que je lis, j'ai lu hier, comme j'étais malade, j'étais un petit peu 3 jours à guérir de gousson. J'ai pris le temps rapidement, brièvement, de lire au sens juridique et droit du terme, au muqaron, le muslimo. Donc, le muslim, c'est le musulman qui a prononcé, c'est une personne qui a prononcé en public la phrase à guérir, la profession de foi, l'imen. Donc, une aide que l'on traduit généralement par il n'y a qu'un seul Dieu. Et Mohammed est son prophète. La ilaha illallah wa Mohammed Rasulullah. Zayagi kanizma la dini ou mdan bledi nslim. Adi shahad. Souna shahada. Yagi, bien sûr, nzora, parce que moi je n'ai rien vu. Donc les spécialistes nourn, enfin la traduction exacte de chaque ligne, bawalagin, shahadu an la ilaha illallah, shahadu Mohammed Rasulullah. Donc si on est. Mais il n'est pas de. Si on est élevé dans un pays musulman, on a souvent l'occasion. Il suffit de la prononcer devant témoin, c'est tout. Si nous sommes dans le Cheikh l'imam du Jama, a dit notre shahadeg et hop, à soir le musulman par magie. Attendez, je vais vous mettre l'image, comme ça vous allez voir de quoi je parle. Vous pouvez vérifier. Je l'ai lu, c'est qu'à quand tu fais nous en même temps, c'est qu'à des chars. Where it is. Voilà. Donc, il y a des livres. Je suis le fond blanc. Il y a tu liras les commentaires. Donc, je vais l'enlever et je vais mettre juste le titre. Donc, tabou, musulman qui quitte l'islam. Je sais que vous n'arrivez pas à lire complètement, mais bon, juste pour donner une idée. Il faut respecter les 5 piliers de l'islam, la profession de foi, la prière, l'aumône, sadaqa, zakat, salat, shahada, khamsayagi, saum, okudil hajj, bien sûr. Le hajj, gifid mslay, rasagi, le pèlerinage à la Mecque, l'imen stata'a, ilayhi sabilan. Donc, achimi, le hajj, il fait partie des 5 piliers de l'islam. Le vrai croyant, il a qu'athni, tabaki khamsayisin. Oui, il y a des livres, c'est la connaissance du Coran, il y a des livres, 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 etc. Il y a des surtout sur le Nabawi, la biographie du prophète, il y a des livres, il y a des livres, il y a des hadiths qui sont tous dans la Sirah Nabawi, d'Ibn Hisham, d'Ibn Ishaq, ça dépend. Donc, il y a des récits légendaires, mais néanmoins officiels de la vie de Mohammed. Donc, maintenant, dans le sens du terme, il n'y a pas beaucoup de vrais croyants. Les chattes sont les musulmans qui ont 3-4, 6 milliards, 1 milliard, 9, je sais quoi. Parce qu'on entend compréhension. Est-ce que je suis musulman. C'est très très important. Il y en a en dernier. Attendez, je ne vois pas les commentaires et ça me dérange. Voilà. Du coup, je vais mettre un fond. Sombre à Kegedwalir. Non, non plus. Voilà, c'est mieux. Et Kegi, ça vous arrange. Voilà, justement, le problème, c'est que Malafra, il y a un risque de la supercherie Glendachal, c'est. Non plus. Je vois pas les commentaires. Ah, voilà, Kenner Fegi. Ah là, c'est pas grave. On ne peut pas dire. Donc, il parle d'abandon de l'islam et le poids de l'apostasie. Des choses, il dit traguer le poids de l'apostasie. Ou qui sont musulmans. Il y un vrai musulman. Il se sent vraiment musulman à 1000% à la Daesh. Il apostasie automatiquement. L'apostasie, malheureusement, elle est punie de mort. Donc, il y a un parce que on va dire. Mais les textes d'Indine et d'Indine, les textes des noirs sur blanc, ils disent même Beddel a dit nous factulons. Hokman Mortet, ou al-Qatla. Du coup,
En Soli, par exemple, du Pakistan, ils exigent la mort d'un apostat, du Yémen, du Kaboul, de l'Afghanistan et tout. Ils exigent la mort de l'apostat. On y fait un site, il y a eu des exécutions, malheureusement. Donc la peine égale s'applique rarement, heureusement. Choukane, elle s'applique dans les pays musulmans, seulement, bien sûr. Et heureusement que la loi de l'homme existe aussi en parallèle dans les autres pays, notamment en France. Alhamdoulilah. Hein? Donc, par contre, l'apostat, il doit être tué. Ça suffit. Pourquoi contestation? Parce qu'on m'a contesté mon live. Hein. Je vous préviens, ils m'ont déjà signalé. Donc ça explique l'ex-musulman, il dit Farhan Siddin, c'est quelqu'un de dénombré des apostats. Attention, il risque la mort. Donc malade Farhan Siddin, la sortie de la foi, c'est un phénomène très étudié. Par exemple, Marie-Louise Mdel, le chrétien, le juif, en particulier chez nous, on connaît dans notre pays, et c'est mal vu. Par contre, l'ANATA, c'est ce que nous devons connaître, les analyses des femmes, ils sont tous devenus hypocrites, pas bon pour se protéger notamment. Tu vois même des choses qui nous étouffent. Ou alors t'as quelque chose de malin, et ça ne traite même pas les lives 24 sur 7. Et mais il est censé se passer sur les chats. Est-ce que c'est normal, non? Elle n'est pas musulmane. Elle est dite dans le Rahman. Pourquoi vous ne partagez pas les avis des autres? Pourquoi vous ne respectez pas les avis des autres, les cultes des autres, les religions des autres, etc., les libertés des autres? Donc bref, doit l'armée le travail bien sur ce thème. Donc, il dit que si la thèse de Oussam Ben Thabet reprend raison, donc la thèse est de plus pour l'originalité de ne pas être macro-social. C'est ce qu'il dit. Il dit, mais fondé sur l'étude de l'évolution personnelle des ex-musulmans, ce que l'on pourrait appeler micro-social, ça n'en peut pas. On a quelques extraits, après je... Ça n'empêche pas son auteur d'essayer de chiffrer grossièrement le phénomène comme nous le verrons plus bas. Donc plus bas, qu'est-ce qu'il dit d'après Hussam Ben Thabet? Le récit de ces ex-musulmans commence par la constatation que leur religion ne leur permet plus leur intégration dans la société extérieure. Donc la constatation est bien, c'est ensuite ils vont adhérer à la conception scientifique de l'univers et des lois libérales, les lois libérales, notamment qui concerne la pluralité des opinions, à la fois conséquences et facilitation de l'intégration. Toujours l'auteur qui raconte, donc la sortie est c'est la religion musulmane. Ça fait apparemment, d'après lui, ça fait plusieurs années qu'elle dure. Attends, c'est le Ditzvan, c'est Dinegui. En moyenne, il dit, elle commence en général à l'entrée dans l'âge adulte. Mais c'est le cas de faire mon chouette, car l'âge adulte, qui peut être, je ne sais pas comment, je n'ai pas le droit de citer un nombre, l'âge exact, mais bon, on va dire qu'il n'y en a qu'un. Donc, ils abandonnent les rites. Voilà, ils abandonnent la croyance en Dieu au cours de la révélation Younes, par Mohammed. Ensuite, à fur et à mesure, ils s'intègrent au monde extérieur. Tu vois la science, la technologie, tu vois les recherches, tu vois les données, comment elle a avancé, etc. Il dit, par exemple, apparaissent des doutes, et je me suis dit que sûr. L'histoire transmise par le Coran, un petit dit ça, le Coran a dit, un outil dit ça, un outil urène, etc. Est-il chkriz? Et donc, il revisite le contenu, et je mets un chik, donc, du coup, grâce à quoi, d'après moi, les nouvelles technologies, qui ont bousculé justement l'histoire de l'islam, c'est les nouvelles technologies. Internet, bien sûr, Google, les recherches, Wikipédia, la science, l'évolution, etc. Donc l'histoire, c'est une histoire obsolète.
Donc elle va être ressentie comme pardon. Elle va être ressentie comme une trahison. Non, comme sur le mzul qu'elle connaît, c'est le smilan des mjtah. Il y en a quand ils vont découvrir la fin de Belé, il n'y a rien de miracle dedans. Il n'y a rien de miraculeux, pardon. Ou lâche les miracles scientifiques, puisqu'il y a un mzul qui dit Tseroun, yukwini dit Tsouf, zaran dit Din, nous fatid, ndaniran auparavant. Donc tout a été remis en cause par certains universitaires et chercheurs, bien sûr. Donc, ذاش راه خدم منين سلمنا كي ما رافق بلي ذا الكذب بلي عين ديور انا كذي الدين وريقين راه بلي ذا العجب بلي سي انكسبتابل يل روجوان لومانيزم لومانيزم سيكولي بيان سور دورا لينمي ذا لومانيزم تاكي ذا لوا ليفوليسيون سي كوم سا اون بو با ريستي جاهلين توت سا في سي با بوسيبل ميم اون 2024 لان كي فينير لا ريليجيون مالغري زران بلي وصل الحاله ديال الوقت هاكي du coup, il décide de s'extraire de cette religion. Parce que l'humanisme, où règne la sécurité, règne le droit, règne voilà, les libertés, etc., dans les pays. Donc, après lui, il dit, il a constaté au passage, qu'elle rejoint l'humanisme, ça lui évite des discriminations et facilite son intégration. J'adore cette phrase. Oui, parce qu'il a des dînes, il a la discrimination, il a la misogynie, il a le racisme, il a le kouigir. Au nom de 2024, un jeune homme, allez, on va dire 28, 25, 30, un jeune homme, un jeune adulte, il a la discrimination, il a le racisme, l'esclavage, la pédophilie, il va lire tout ça, il va dire, ah mais il y a un prophète qui a épousé une petite de 6 ans, wow, quand même ça va. Après, il a été élevé dans des valeurs, humanisme, toujours humaniste. Peut-être pour les Français, dans les Anglais convertis, dans les Américains, ça peut paraître simple, qui sont un peu à peu détachés de la religion catholique par exemple. Mais dans le cas de Ginselman, la sortie de l'islam se traduit souvent par de l'angoisse. Vraiment, au début, ils sont un peu énervés. Comment ils réagissent dans les lives maladaline. Et ensuite, ils sont choqués un petit peu. Ils sont choqués. Ça va impliquer une rupture avec la famille, premièrement. Ou alors, à moins qu'il dissimule les chouansen. Donc, ils sont obligés de faire les hypocrites. Voilà. Et la situation à Gué, vraiment, elle reste très inconfortable pour un musulman qui décide de sortir de l'islam. Donc, le chercheur nous parle d'une évolution décrite par une évolution rationnelle. Un certain Pascal, il aide les raisons viennent après. C'est-à-dire qu'on rationalise son propre état de non-foi, qui veut dire l'adini, mais il y a même chutzamnera, après l'avoir constaté. Donc c'est quand même, ça reste un choc, ça laisse des séquelles. Le processus est guin, il suppose en général, mais pas toujours, un certain capital social. Donc le professionnel, culturel, les musulmans égrènent la thèse d'Ousmane Oussam Ben Thabet, ils sont souvent au moins des bac plus 2 minimum. D'accord, d'après lui, d'après ses recherches, tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Il s'intéresse, il est curieux, et il a des vrais qui sont fascinants. Donc tout là, c'est normal, ça vous choque, mais vous avez une petite jeune fille qui a pris son choix, l'a décidé, elle le déclare haut et fort, ça choque, ça bouscule les idées. Voilà, les archaïques et les coincés, toujours endoctrinés, parce qu'ils ne c'est normal, ça va les choquer, bon, réagir comme si c'était, elle avait commis un crime, alors que c'est tout à fait son droit. Donc, il a c'est très important de constater que la gêne à guérir, elle existe. Mais où est-ce qu'il y a
il va pas penser. Elle est mettre sinon, c'est pas normal. Tu juges tout le monde. Si vous êtes des gens, le chrétien aurait à dire, le juif aurait à dire, le non-musulman aurait à dire, l'agnostique aurait à dire, l'athée aurait à dire. En fait, vous êtes contre tout le monde. Nous connaissons des gens qui disent, vous êtes gênés, vous êtes complexés, vous êtes limite agressif. Mais malade, une fois que tu t'es libéré, toi, alors, tu vois les choses de loin, hein, tu analyses bien les choses. Il n'y a aucune gêne finalement. Hein? Bref, l'abandon de l'islam. Bien sûr, où lèche les statistiques officielles hein, du fait religieux. D'ailleurs, c'est quasiment impossible de lire les statistiques. Vous ne pouvez pas établir un chiffrage approximatif. Sur un pays musulman, on est automatiquement musulman. Vous êtes bien d'accord avec moi. C'est un petit peu d'office, de la triche. Donc, d'après Hossam Ben Thabet, il estime à 15% des musulmans français, je parle de la France, le nombre des ex, soit 600 à 700 000 personnes. Bon, le chiffre est beaucoup plus important pour des raisons qu'il va nous exposer plus tard. Il va rappeler d'ailleurs, selon l'INCE, en 2015, il y avait 4,1 millions de musulmans en France. D'accord. Donc, selon le rapport de l'Institut Montaigne de 2016, un certain Hakim El-Qaroui, c'est un rapport qu'il a cité. Il a cité d'ailleurs souvent dans les autres articles, les musulmans représenteraient 5,6% de la population des plus de 15 ans en France métropolitaine. Donc 10% chez les moins de 25 ans, ce qui donne un chiffre voisin de ces 4,1 millions. Or, le chiffre acquis de 4 et quelques millions, toute précision serait illusoire. Il dit « non ». Donc, je vous lis texto ce qu'il dit. Il est très inférieur au nombre de résidents français ayant un ou plusieurs ascendants musulmans. Ces derniers sont, par contre, beaucoup moins de 12 millions ou plus, souvent cités à l'extrême droite, Kegidine. Donc, pour étayer le chiffre à 12 millions, il le justifie souvent par les 18% de nouveaux-nés ayant des prénoms arabo-musulmans. Comme Moussa ou Mohamed ou Issa, etc., etc. Des noms arabes, machi chrétien. Voilà ce qu'il dit. Donc, ça a été indiqué par certes, les parents, ceux qui les ont déclarés, sont arabes, n'est-ce pas, nord arabes. Donc, c'est qu'une statistique, tout simplement. Mais pas forcément musulman, parce que le petit Moussa, il va grandir, il va fréquenter l'école catholique, l'école juive, c'est l'école laïque ici, bien sûr. Et il peut prendre son chemin, il sera 15 ans, il va faire son choix. Donc le prénom ne détermine pas la religion. Edith Moussa, non, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'il se met Malika, Al-Ji, Chevha, Kerima, Taous, que tu es musulman automatiquement. Voilà. Une fois adulte, il et alors, comme dit Mouf, on ne peut pas déclarer son apostasie, c'est, puisque l'islam dit Daoula, donc c'est. Vous voyez combien je suis curieuse, le connard de discrètement cette histoire, c'est quand même gentiment quelqu'un, c'est une raquette, c'est une raquette, vous êtes musulman, vous considérez que vous êtes musulman. Donc, normalement, quelqu'un qui ne pratique pas les cinq piliers de la Rasgilina, Shahada, Salat, Sam, Zakat ou Al-Hajj, normalement, tu n'es pas musulman. Vous êtes musulman, c'est faux. Un vrai musulman, il a dit Zalat tout le temps. Un vrai musulman, il a dit Arkan l'islam. Voilà. Donc, vraiment, le chiffre de 12 millions qui me paraît exagéré. Je l'ai dit, il y a un coût de 1,5 milliard. Donc, au total, une seule de descendance. Il y a une descendance. Il y a néanmoins
beaucoup plus important que un milliard scala, que 12 millions et pardon, sans rester musulmans. On ne peut pas donner les ihsaïyat malheureusement en 2024. Le chiffre n'a aucun sens. Donc probablement, il a dépassé les 4 milliards et demi d'apostasie. Pardon, d'apostat. On ne peut pas dire c'est faux. Donc ça serait hypocrite. Nous sommes tant de musulmans sur terre. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Je ne connais pas exactement des avis. Être musulman, ça ne veut pas dire c'est faux. Je peux m'appeler Mohamed alors que à l'intérieur, j'ai. Voilà, donc c'est un échantillon à peu près du sondage de l'Institut Montaigne qui porte à peu près sur 15 459 personnes de 15 ans, parmi lesquelles 1029 personnes se disent musulmans. Vous imaginez, sur 15 459, hein, si 15 ans d'Assaoun, l'Anken, 1029 personnes disent musulmans. De culture où il y en a musulmane, ou alors il y a un chiffre aussi de 155 personnes se définissent comme en dehors de l'islam, carrément, rien à voir, même s'ils s'appellent Mohammed. Donc, sauf ma malentendu de la phrase aiguë, donc on peut dire que ça fait environ des centaines de milliers de personnes à rajouter en nombre des ex-musulmans. Bienvenue dans le club. Azoul. Voilà, mais je suis les ex-musulmans. L'Inde est le même, ensuite France et l'islam. Donc à ce stade-là, des choses m'ont donné. Attends, les nombreux ex-musulmans se comptent à peu près, à mon avis, par millions, par milliers. On ne peut pas mesurer exactement Chalibron. Plus Arthur Mazel sur les réseaux sociaux, on voit dans des lives avec Egeo, c'est important, il y a du sondage, on voit les commentaires, on teste un petit peu la température, ou d'où l'inérique témoignent, blé en farcidine, mais on voit blé, il y a davantage de musulmans, en plus chez les jeunes, hein, très très jeunes, par rapport aux plus anciens, ou vrénère dinin, blé en farcidine, c'est l'islam. Donc, ou gade gade, quand l'islam gagne du terrain, c'est du khorti, d'accord, c'est juste du blabla. En plus, c'est des statistiques niraoun, impossible à vérifier. C'est impossible de dire juste. Mais il a smani melha, naïma, vavem din selmi, même tin selm tsakbaïli, c'est n'a rien à voir. On n'a rien à voir avec cette religion. C'est juste parce qu'il se met smelha. Hop, il m'a donné, automatiquement, il est né dans une famille musulmane. C'est une musulmane. Voilà, parce que c'est de la triche. En fait, on ne peut pas avoir un chiffre exact. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi, j'espère. Moi, je trouve que c'est raisonnable. Hein. La thèse est guinée, dit monsieur, c'est très, très raisonnable. Asmina dit, m'shtah, n'tzoukhou d'avoir l'avenir pour nous, etc. Mais on signale, hein, pour nous c'était, on était religieux à vie parce que nos parents qu'an inchallah qu'an alhamdoulillah c'est-à-dire qu'on a une saguie une farahma d'aud l'aïd etc. Mais on n'était pas sûr ou bon, je ne parle pas que de l'islam dans toutes les religions. Donc il faut laisser le temps et on va choisir sa voie. Les sondages, ils disent que les gens ne sont pas les gens qui ont été marqués, c'est faux, c'est de la triche. Voilà. Il faut regarder la suite. D'accord. Voilà, c'est pour ça que vous, quand vous donnez des chiffres, moi je rigole un peu timidement. Ça, c'est pas possible, il faut être malade pour donner un chiffre pareil. Bref. On va y arriver un jour. J'espère que ça va rester un sujet tabou et délicat. J'espère avoir un ouvertement. Oui, je suis ex-musulmane. Oui, je n'ai jamais été musulmane. Oui, je ne crois pas à cette religion. C'est son droit. Toutes les religions confondues. Hein. J'espère que ça va rester ouvertement sur le sujet.
Donc, aide-nous les travaux de l'auteur à Guinée. Il aide les ex-musulmans, viennent en général de familles croyantes et au moins partiellement pratiquantes, ayant transmis l'islam à leurs enfants. C'est ce que je viens de dire, exactement ce que je viens de dire. Pour une minorité, donc il dit, les parents ne respectent pas les rites de base. Et dans ce cas, leurs enfants quittent l'islam plus rapidement que les autres, d'après ses recherches. Et cet abandon religieux touche de façon égale les hommes et les femmes. Je vais faire la liaison. Donc l'abandon s'effectue à tous les âges, même si la moyenne de l'échantillon de Houssam Ben Thabet a un âge moyen de 21 ans. Ce qui correspond souvent à la période des choix politiques, on entend bien, pour l'ensemble de la population. Donc à la fin, l'auteur nous dit et constate que les ex-musulmans ont en général un certain capital social, professionnel et culturel. Donc ils sont intégrés quelque part. Voilà. Ils ont un capital social, professionnel et culturel. Ils n'aident et on trouve... il dit, vous trouverez mes thèses sur l'intégration... et à plus long terme, l'assimilation. Donc, c'est un lien qui est avec lui. Bien sûr, Tassidina, il parle beaucoup souvent, il parle beaucoup des Bac plus 2 surtout. Hein. Donc, on va dire Bac plus 2, 18, 19, 20, 21, hein, avec quoi. Et puis, il y a eu des attentats, il y a eu des intimidations, il y a eu des meurtres, il y a eu, voilà. Ils ne sont pas bêtes aussi, les enfants de l'immigration. Ils sont influencés par les parents. Mais ils peuvent changer d'avis rapidement parce que Karen est dans des écoles quand même laïques. C'est ça l'avantage par rapport à nous. Mais je pense que je vais vous dire, je suis prête à mettre ma main à couper. Allez, on va mettre la main dans le feu. Que Kouan dit mort ou là, parce qu'il dit mort sur le Karen dit ça y est, dit c'est. Et ils font tout en cachette. Ils ont l'habitude de mentir. Donc, il en arrive à la conclusion, une aide, l'islam me paraît donc menacée de l'intérieur. Voilà. Et c'est exactement ce que je suis en train de dire, texto. Voilà. Donc, l'abondante musulmane en France est d'une grande partie de la confrontation avec les musulmans, avec les idées du reste de la population française, etc. Mais notamment, ils sont influencés par Internet, surtout. Surtout, mais il y a des discours anglais, il y a des textes en anglais ou en français. Ils comprennent les jeunes, surtout ils excellent en anglais. J'ai remarqué, les derniers temps, en Algérie, ils parlent beaucoup l'anglais. D'accord. Donc, ils partent à la conquête de recherche. Les questions scientifiques, les questions d'in, dans le sens large, hein, on va élargir tout ce circuit-là. Les réponses. Ce qui explique justement pourquoi les jeunes aiment, pourquoi ils sont devenus anglophones, non francophones. Dans les pays musulmans, la plupart c'est l'anglais. On est bien d'accord. Bon, soit par le temps colonial, soit par l'école, soit etc. Donc la plupart, ils font menaquer guiadaron, soit ils détectent en anglais, en français, la traduction. Hachoussinar, ça arrive correctement, on est dine. Eh ben, ils comprennent vite. Et du coup, soit doivent déiste d'abord, coraniste déiste, ou alors devrait direct l'athéisme. Je parle toujours au gars du Pontour, je parle de la sortie de la religion, hein, la sortie, beaucoup de gens qui sortent de l'islam. D'après la thèse, après il y a des preuves, l'islamisme radical, la lutte contre les partis de l'Irhab, etc. Les sont plus jeunes, ils ont haï cette religion par rapport à ça, parce que c'est safe, mais elle est safe. Voilà, il y a eu trop de propagande, trop de discours, trop de réunions là-dessus. Elle, c'est le fagik, etc. Et puis, là, la diffusion de l'islamisme en masse. Ce matin, les djouamad, les écoles, din partout, trop de din, tu le din. Hein? Tout trop de choses, tu la chose. Il y a trop d'excès de din.
اول سين الله الرسول الله الرسول الحجاب المرأة العورة تاع تاع tout le temps le discours دي mais les gens ils en ont marre là en fait نتاغيان دي بوماكان ديريس les gouvernements ils sont très très mal barrés. Ça va de, ça va au fait ça a donné un échec total les derniers temps yagi c'est purement islamiste. Vraiment c'est l'Algérie l'Iran c'est pas possible un Algérien il est censé faire merg on va dire de choukan ce qui va lui faire rappeler mais vraiment terme de l'Iran bon de l'autre c'est tombé à 100% sharia d'ailleurs heureusement et choukan c'est tombé quand ça l'arrange les autorités religieuses musulmanes c'est tombé quand ça les arrange pour abrutir le cheb pour donner des trucs l'homme ou l'osra le mad non c'est tombé mal il laisse naqsa ta aql nصف الميراث grossièrement le phénomène comme nous le verrons plus bas donc plus bas qu'est-ce qu'il dit d'après Hussein bin Thabet le récit de ces ex-musulmans commence par la constatation que leur religion ne leur permet plus d'être à leur intégration dans la société extérieure. Donc la constatation est ensuite, ils vont adhérer à la conception scientifique de l'univers et des lois libérales. Les lois libérales, notamment qui concernent la pluralité des opinions, à la fois conséquences et facilitation de l'intégration. Toujours l'auteur Agui qui raconte, donc la sortie Agui, c'est la religion musulmane, ça fait apparemment, d'après lui, ça fait plusieurs années qu'elle dure. Attends, en moyenne, il dit, elle commence en général à l'entrée dans l'âge adulte. Mais l'âge adulte, qui peut être, je ne sais pas comment, je n'ai pas le droit de citer un nombre, mais c'est l'âge exact, mais bon, on va dire qu'il n'y en a qu'un. Donc, ils abandonnent les rites. Voilà. Ils abandonnent la croyance en Dieu, au cours de la révélation, Inès, par Mohammed. Ensuite, à fur et à mesure, ils s'intègrent au monde extérieur. Soit la science, la technologie, soit les recherches, soit les données, comment elle a avancé, etc. Il dit, par exemple, apparaissent des doutes, et je me suis dit, sûr. L'histoire transmise par le Coran, un petit dit ça, le Coran a dit, un outil de Sauron, bien un outil Oran, etc. est-il Shkriz? Et donc, il revisite le contenu, et je mets un chic, donc à la haute, 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 à la haute. Du coup, grâce à quoi, d'après moi, les nouvelles technologies, il y a qui ont bousculé justement l'histoire de l'islam, c'est les nouvelles technologies. Internet, bien sûr, d'être Google, les recherches, Wikipédia, la science, l'évolution, etc. Donc l'histoire, c'est obsolète. Donc elle va être ressentie comme, pardon, elle va être ressentie comme une trahison. Comme sur quand ils vont découvrir la fin de il n'y a rien de miracle dedans, il n'y a rien de miraculeux, pardon. Ou lâche les miracles scientifiques, puisqu'il y a un mzrou, il dit Tseroun, Yukwini dit Tsouf, Zalandidin, nous fatid, Ndanéran, auparavant. Donc tout a été remis en cause par certains universitaires et chercheurs, bien sûr. Donc, le Sharach de Manien Selmena, Gimara Fakan Belid El Kidav, Belid Ndurun Okididin, Uri Kinara, Belid Laj Belis, inacceptable, il rejoint l'humanisme, séculier, bien sûr, Adoral, l'ennemi de l'humanisme. C'est guide la loi de l'évolution. C'est comme ça. On ne peut pas rester jahiline toute sa vie. Ce n'est pas possible. Même en 2024, il y a qui vénère la religion. Malgré Zalam, du coup, il décide de s'extraire de cette religion. Parce que Khtar Nevri de l'humanisme, où règne la sécurité, règne le droit, règne voilà les libertés, etc. dans les pays donc après lui il dit Belien il a constaté Belien au passage qu'elle rejoint l'humanisme ça lui évite des discriminations et facilite son intégration. J'adore cette phrase, oui, parce que il a des dînes là la discrimination, il a la misogynie, il a le racisme. Il a le Kouigir. Amhi, au nom de 2024, un jeune homme, allez, on va dire 28, 25, 30, un jeune homme, un jeune adulte,
يولي بلي لا لا ديسكريميناسيون يولي بلي لا لا راسيزم الاسكلافاج لا بيدوفيلي il va lire tout ça il va dire ah mais il y a un prophète qui a épousé une petite de 6 ans wow, quand même ça va après tu sais il a été élevé dans des valeurs humanisme toujours humaniste peut-être pour les français dans les anglais convertis dans les américains ça peut paraître simple qui sont un peu détachés de la religion catholique par exemple mais dans le cas de Ginselman la sortie de l'islam se traduit souvent par de l'angoisse vraiment au début ils sont un peu énervés comment ils réagissent dans les lives maladaline. Et ensuite, ils sont choqués un petit peu. Ils sont choqués. Ça va impliquer une rupture avec la famille, premièrement. Ou alors, à moins qu'ils dissimulent les choix. Donc, ils sont obligés de faire les hypocrites. Voilà. Et la situation à Gué, vraiment, elle reste très inconfortable pour un musulman qui décide de sortir de l'islam. Donc, le chercheur nous parle d'une évolution décrite par une évolution rationnelle. Un petit dinar, un certain Pascal, il aide les raisons viennent après. Hein. C'est-à-dire qu'on rationalise son propre état, de non-foi, qui veut dire la dini, mais yamen chut samnera, après l'avoir constaté. Donc, c'est quand même, ça reste un choc, ça laisse des séquelles. Le processus est guin, il suppose en général, mais pas toujours, un certain capital social. Donc, le professionnel, culturel, les musulmans, igran la thèse, Ousmane Naguir, Oussam Ben Tabet, ils sont souvent au moins des bac plus 2 minimum. D'accord, d'après lui, d'après ses recherches, il y a une drague. Tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Il s'intéresse, il est curieux. Et il y a des vrais disques qui sont fascinants. Donc, tout là, c'est normal, ça vous choque, une petite jeune fille qui a pris son choix, elle a décidé, elle le déclare haut et fort, ça choque, ça bouscule les idées. Voilà, les archaïques, ils coincent toujours endoctrinés parce qu'ils ne disent c'est normal, ça va les choquer, vont réagir comme si c'était, elle avait commis un crime, alors que c'est tout à fait son droit. Donc, il a c'est très important de constater que la gêne elle existe. Mais où est-ce qu'il y a des il va pas penser elle met fraude sinon à se faire croire belli c'est pas normal même qu'il soit musulman tu juges tout le monde si vous êtes nihilien le chrétien aurait adhéré le juif aurait adhéré le non musulman aurait adhéré l'agnostique aurait adhéré l'athée aurait adhéré en fait vous êtes contre tout le monde nous connaissons des musulmans qui goûtent fakmara vous êtes gêné vous êtes complexé vous êtes limite agressif. Mais malade, une fois que tu t'es libéré, ou alors tu vois les choses de loin, hein, tu analyses bien les choses, il n'y a aucune gêne finalement. Hein? Bref, l'abandon de l'islam. Bien sûr, où lèche les statistiques officielles hein, du fait religieux, d'ailleurs, c'est quasiment impossible de lire les statistiques. Vous ne pouvez pas établir un chiffrage approximatif. Sur un pays musulman, on est automatiquement musulman. Vous êtes bien d'accord avec moi. C'est un petit peu d'office, la triche. Donc, d'après Hossam Ben Tabet, il estime à 15% des musulmans français, je parle de la France, le nombre des ex, soit 600 à 700 000 personnes. Bon, le chiffrage est beaucoup plus important. Pour des raisons qu'il va nous exposer plus tard. Il va rappeler d'ailleurs, selon l'INCE, en 2015, il y avait 4,1 millions de musulmans en France. D'accord ? Donc, selon le rapport de l'Institut Montaigne de 2016, un certain Hakim El-Qaroui, c'est un rapport qu'il a cité, il a cité d'ailleurs souvent dans les autres articles, les musulmans représenteraient 5,6% de la population des plus de 15 ans en France métropolitaine. Donc 10% chez les moins de 25 ans, ce qui donne un chiffre voisin de ces 4,1 millions. Or, le chiffre aigu de 4 et quelques millions, toute précision serait illusoire. Il dit non. Donc je vous lis texto ce qu'il dit. Il est très inférieur au nombre de résidents français ayant ou ayant un ou plusieurs
ascendant musulman, ces derniers sont par contre beaucoup moins de 12 millions ou plus, souvent cités à l'extrême droite, Kegidine. Donc pour étayer le chiffre à 12 millions, il le justifie souvent par les 18% de nouveaux-nés ayant des prénoms arabo-musulmans comme Moussa ou Mohamed ou Issa, etc., etc. Des noms arabes, machi chrétien. Voilà ce qu'il dit. Donc ça a été indiqué par certes les parents, ceux qui les ont déclarés, sont arabes, nés dans le nord arabe. Donc c'est une statistique, tout simplement. Mais pas forcément musulman, parce que le petit Moussa, il va grandir, il va fréquenter l'école catholique, non, l'école juive, non, il se met à dire, dans une, bon, c'est l'école laïque ici, bien sûr. Et il peut prendre son chemin, il se met à aller sur 15 ans, il va faire son choix. Donc le prénom ne détermine pas la religion. Edith Mourth, non, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'il se met Malik, il y a Al-Ji, il y a Chevha, il y a Kerima, il y a Taous, que tu es musulman automatiquement. Voilà. Une fois adulte, il reste au domaine l'Ihsa, il y a Tenoun. Et alors, comme dit Mourth, on ne peut pas déclarer son apostasie, puisque l'islam dit Daoula, donc c'est. Vous voyez combien que je suis curieuse. Nous, quand on a dit discrètement, c'est tout, c'est Khamen, gentiment, quelqu'un, c'est Nera, c'est ça. Vous êtes musulman, vous considérez que vous êtes musulman. Il y a un chahid, un siddiq. Donc, normalement, quelqu'un qui ne pratique pas les cinq piliers de Drasgilina, Shahada, Salat, Sam, Zakat ou le Hajj, normalement, tu n'es pas musulman. Mais déjà, vous êtes musulman, c'est faux. Ce qui devient Manoul, un vrai musulman, il a dit Zalat tout le temps. Un vrai musulman, il a dit Tabakok l'arcane de l'islam. Voilà. Donc, vraiment, on va mettre le chiffre 12 millions qui me paraît exagéré. Je vais dire qu'il y a un coût de 1,5 milliard. Donc, au total, une semaine de descendance. Il dit qu'il y a une semaine, il y a au moins beaucoup plus important que 1 milliard, que 12 millions. Pardon. Sans rester musulman. On ne peut pas donner l'ihsaïyat, malheureusement, en 2024. Le chiffre n'a aucun sens. Donc, probablement, il a dépassé les 4,5 milliards d'apostasie. D'apostat. On ne peut pas dire, c'est faux. Donc, ça serait hypocrite. Nous sommes tant de musulmans sur Terre. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Je crois qu'on est exactement des avis. Être musulman, ça ne veut pas dire c'est faux. Je peux m'appeler Mohamed alors que l'intérieur, j'ai Oustafaroukse. Voilà, donc quand on a un échantillon à peu près du sondage de l'Institut Montaigne qui porte à peu près sur 15 459 personnes de 15 ans, parmi lesquelles 1029 personnes se disent musulmans. Vous imaginez, sur 15 459, hein, si 15 ans d'Assaoun, l'Anken, 1029 personnes, les dînes, les bélines, les dînes, les de culture, il y en a musulmane, ou alors il y a un chiffre aussi de 155 personnes se définissent comme en dehors de l'islam, carrément, rien à voir, même s'ils s'appellent Mohamed. Donc, sauf ma malentendu de la phrase aiguë, donc on peut dire que ça fait environ des centaines de milliers de personnes à rajouter en nombre des ex-musulmans. Bienvenue dans le club. Azoul. Voilà, mais je suis les ex-musulmans. L'un des musulmans, ensuite, femme, c'est l'islam. Donc, à ce stade-là, des choses m'ont donné. Attends, c'est que les nombreux ex-musulmans se comptent à peu près, à mon avis, par millions, par milliers. On ne peut pas mesurer exactement Chalibron. Plus Arthura Mazel sur les réseaux sociaux, on voit dans des lives avec Egeo, c'est important, il y a du sondage, on voit les commentaires, on teste un petit peu la température, ou d'où l'inéreco de témoigner une belle en farcidine, mais on voit qu'il y a davantage de musulmans, en plus chez les jeunes, hein, très très jeunes, par rapport aux plus anciens, ou vrénéredine une belle en farcidine l'islam. Donc, ou qu'il y a quand l'islam gagne du terrain, ou qu'il y a du khorti, d'accord. C'est juste du blabla. En plus, c'est des statistiques niraouines impossibles à vérifier. C'est impossible de dire juste. Mais il a smirs, mani, mani, melha, naïma, vavem, din selmi, même si une selmi, tu n'as rien à voir.
On n'a rien à voir avec cette religion, c'est juste parce qu'il se met malha. Hop, ils m'ont donné, s'il a, automatiquement, il est né dans une famille musulmane, c'est une musulmane. Voilà, parce que c'est de la triche. En fait, on ne peut pas avoir un chiffre exact. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi, j'espère. Moi, je trouve que c'est raisonnable. La thèse est guinée, dit le monsieur, c'est très très raisonnable. On doit voir l'avenir pour nous, etc. Mais on signale, hein, pour nous, c'était, on était religieux à vie, parce que nos parents, quand Inch'Allah, quand Alhamdulillah, c'est-à-dire qu'on a quatre, ça a une sagui, une farahma d'Aoud, etc. Mais on était. Le réseau, déjà en dehors du ramadan, c'est connu, même dans la banque, quand il n'y a pas d'argent, dans les caisses, dans le trésor, l'ordinateur ne marche pas, le système ne marche pas. Commence d'abord par nettoyer tout ça chez toi. Commence d'abord par voir. Men intahakta anta. Anta salharmit intahakad kitch déjà. Le citoyen, il n'est pas respecté. Ça peut être un souhait, c'est un temps, c'est le misaine enceinte en plus. Ou du kermel, c'est ce même. C'est qu'il y a un chemin ou d'une loi. Vous n'avez pas le droit de manger, vous risquez la prison et l'amende. Eh ben, dis donc. Et je suis chrétien. Est-ce que je suis obligé aux hommes pour vous faire plaisir? Non. Et je suis chrétien. Un chrétien, c'est à Dinis. Et je suis dit, elle est où mon église? Ils sont où mes droits? J'ai le droit de boire de l'eau. Elle est très ouverte de l'autoroute. J'ai le droit de faire un sandwich, je rentre, ma pique-nique, etc. Je suis messihi. Je suis messihi. Je ne suis pas messihi, nous sommes là. Nous sommes là 30 jours du mois. يا لي ذات الرحمة ذا قيغرو قالوا لي ذات الرحمة زمان ما تكر ما توثم زمان ما تنغ مون فامي وزت كاباب دو تشو الوغ لا ميل صالا كي با ايفنت بليستان جوي فكي كي اوفيسيال اسفكر دو سكوند دو سكوند عظم الله اجره De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Vous êtes des dictateurs. Des حقارون. Des حقارون كم الدن. Parce que ذا قيتو فامي من وين? Ils vous ont donné des droits. Pourquoi vous ne faites pas la même chose chez vous? C'est quoi ces conneries? Oui, on dit en direct, c'est des chemins, on a soit chaud pas maintenant, la kahwa, ça rame, et animé, vraiment, il y a des cas désespérés, mais je me dis, c'est foutu, mais vraiment foutu. Il y a un autre film qui existe, une certaine personne qui parle, un film. Donc si c'est qui t'as fait quelque chose soi-disant zamaï, c'est là il mise là il est tout, ça la chose de donner ça, ça se trouve c'est un père de famille. Alors là quand je charme tant ça se fait pas de l'aide, hein, c'est une gamine, c'est une masse qui lui bravo, si. Où est-ce que tu as le fait de manger? Moqald, mais elle tu as quand tu respires l'air qu'on respire à terme de l'haram. Tu as mais elle a fait le jizya, parce qu'elle respire l'oxygène, qui est dans l'air, il est gratuit en fait. Mais chez des amis, le connaître, c'est limite. Ça fait mal d'être sous l'oxygène. T'as besoin de travailler, de nous zoom. Où est-ce qu'il y a ni on y est ouen? Où est-ce qu'il y a dans ton âme? Déjà, tu vois là même chez des gens des coronavirus. Ah, on a déjà eu l'expérience. Alors de quoi vous me parlez là? De quoi vous me parlez? Vous êtes ridicule, Annie. Vous vous mettez même les lives. Arrêtez de parler des personnes. ونكرنا رواه ينادي يخدم يجعل يبحر يتشيس ويزمر يضرق سي دي مودي سي ديغرادي سي ميديوك سي مسكين سي لاش سي تو سكو فو فولي اتاك على بيرسون ايش كان كون يتحمل مال وقعد يخدم لي شو زعيناني وني خديك سروث ني تحملم يا رب وني تخدم من عيناني حسب لي 10000 دينار فوار 10 مليون دوت كيل فون كاشيت سي تو يا كان شو تجعل مجعل زعمي الصوغ دو لو ثقي ثقي زعما تغلي تسقيني نعمي اون بلوس دو سا كيلكي كي في سا دفون سي بارون كون مي فو نافي با لو دوا دو مسلايم شكون يدخلن ساعه باش يما تو تو اي كي بور دوني
vous incrustez dans les bouillards. C'est garmo qui m'ennuie, c'est garmo que je hais. Il n'est pas de Qu'est-ce que tu en as à foutre? Laissez les gens tranquilles. Cadre humain, je ne respecte pas ces gens-là qui se mêlent de la vie privée des autres. Je suis qui d'accord. C'est quoi le sens? Ils vous ont abruti. Les Occidentaux, les koufars, plus de deux secondes, pas normal, il va trouver ça bizarre. Il me dit, t'as un problème? Les gens ici ne se regardent pas. Ça se fait pas d'adi ou ça se fait pas c'est privé. Tu n'as pas le droit de filmer les gens. Tu n'as pas le droit de parler des gens. Tu n'as pas le droit de regarder. Tu n'as pas le droit. On y va à dire on y va à chanter sa chante. On y va à dire tatouer. On y va à dire c'est le hijab. Chacun sa place. Personne ne va aller vers l'autre. Je suis sérieuse. À votre avis, je vais trouver tout le monde. Bon, ben, j'ai trop parlé, Mkini, je vais faire une pause parce que ma gorge commence à piquer un peu. Pardon. Bref, donc le livre, si vous voulez le lire, il est disponible. C'est une thèse en fait, hein. C'est pas n'importe quel livre, c'est des études sérieuses. Hein. Bref, donc un dernier point, je vais vous donner la parole. Tout à l'heure, il s'est le même dit les musulmans. Mais si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez, si vous c'est l'Afrique subsaharienne, par exemple. C'est une jeune femme très très blonde, mais Outmès, c'est une cousine à elle, elle est noire, très très noire. Elle fait partie d'une fratrie de 14 enfants, par exemple. Parce que 20, si on va là, oui. تعدد الزوجات اسم هذا يوث تشفعات يوث سفر كانت يوث ميتيس اكسترا دونك يا ميلونج نكيني لي سا سا كامارات دو كلاس اون سينيغاليز بلوند بلوند مي فريمون بلوند ابخي من مينو ذا فهمه وفيق باللي سا ثلاثة ثلاوين اون كاشيت بون ذي ثمور تيتيجا يوث بلوند يوث سفر كانت يبث فقد بلوند بلوند ريماس شو كان لي سينيغاليز كان لي شوفو ان بتي بو ثوالا مامي ان بتي بو كريبو ريش Voilà. Apparemment, Lina Orson, c'est fréquentable. Et je dis, c'est ça, à peu près, ça ou les petits-enfants. Vous imaginez? Il y a les gens qui se prennent, il y a les gens qui se prennent. Donc, voilà. Elle n'est pas musulmane en personne, elle n'est pas musulmane. Elle est un peu jeune, oui, mais elle n'a pas choisi sa voie. De faire avoir, elle va automatiquement. Mais ma sœur de quelle origine? Je suis sénégalaise. Après, on sait, on se dit, ah oui, une sénégalaise blonde avec des yeux bleus, c'est bizarre. Eh oui, parce que elle est issue d'une fratrie de polygamie. Les mourtis, les vases, les jarrat, les win. Musulmans 100%. Les nés en sainte d'Algérie, immigrés en France depuis longtemps, les nés en France, et ben, les blondes, ils mettent une blonde. Donc, comment on peut l'appeler? C'est une musulmane, c'est une française, elle est française de, à la base. Plus tard, dans 5-10 ans, comment elle peut se déterminer? Comment elle peut dire? Je dis que c'est une musulmane, c'est même si elle a des objets, etc. C'est le hijab, etc. Mais non. Non, on ne se considère pas comme musulmane. Comment vous pouvez avoir des sondages réels? C'est pas possible. C'est pas possible. Point. Donc, c'est un analyste. Du coup, il est resté neutre.
Donc il n'aide, je ne suis en particulier ni pour ni contre l'islam, bien sûr il doit se couvrir, hein, parce qu'apparemment on n'a même pas le droit de dire on est pour, on est contre. Donc un analyste n'a pas le droit, c'est comme c'est quelqu'un qui fait l'historienne née sur Facebook, elle c'est qu'elle a vieilli, qui explique le Coran, les commentaires, est-ce que vous êtes musulmane, est-ce que vous faites le Ramadan, est-ce que je suis une historienne. Je suis une historienne. Je n'ai pas à vous dire à quelle religion j'appartiens, à quel culte j'appartiens. Vous ne faites même pas la différence entre un historien, un chercheur, un analyste, un médecin, etc. Et vous ce n'est qu'un culte. Il y a que le seul pays, il a d'abord musulman avant d'être autre chose. خويا عند ربي ذايا قيت توالي متوالي ما ذا شوث ذا شو ديفيان يثو ذرس كسكيلا في كوم تيز كسكيلا في كوم روشيرش سيونتيفيك اسكيلا صوفي دي في اومان اسكو يخدم الخير ضد دونيتي سي جاد الاثار جاد الامارة اسكو توالي مكان ما نسلم نغالا ذا التيتراكي كان يكون يرحان ها مير تيريزا سيتي با اون مسلمان اي بورتون في جاد الاثريس في جاد الاثريس ذوك مزروي انا في بوكو 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 دو بيان سيت فيي دام بي ان سون لام Mère Teresa, toi-même, c'est une religieuse, oui. Je suis pas une chrétienne. Hein. Je parle comme ça. Qu'elle existe des métaphores, des sacs. Mais les chouquins, je dis ça. Et que nous, les chouquins, que nous, c'est le djihad. Quelqu'un qui fait du bien, je parle. Je suis en train de me dire que je m'ai été guinéen. À part dénoncer les apostats, alors j'ai contacté le djihad, j'ai contacté l'association, juste pour faire du mal. C'est guide l'islam noun pour faire du mal, pour attaquer les autres. Et hé, né on darbé, né dit mais je suis entré. Tu vas me couper les avocats de Dieu. Pourquoi tu vas dénoncer? Parce que tu es mauvais, parce que ta graine de méchanceté elle est née en toi, parce que c'est dinagi qui est un mauvais. Faire du mal fisabilla, tuer fisabilla. Ah voilà, c'est les kay touche face au dorakom, yushfa ghali lakom. Sam, sam harqa ni tqoul nwen, la graine de méchanceté, athna, asxmgha le mal, je vais dénoncer, asbehdla, athousa, athid fadhha. Ah, les gars, c'est l'arrière que la hdoura, ou juste behdla, ou juste fadhha, ou juste thousa, ou lach. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Laissez les gens faire leur vie. Arrêtez de faire les justiciers à deux balles. Soit le des avocats, soit le des juges, soit le des musnés, soit le des donneurs de leçons. Vous humiliez les gens. Hors contexte musulman, ils sont athées. Et ils sont respectueux. Je suis désolée d'ouvrir des guinquinis. Qui sont honnêtes. Surtout le respect. Quand on parle d'une idéologie, ça ne veut pas dire non. Personnellement, j'étais une ex-musulmane. Je ne peux pas faire de mal à un musulman, ni à un autre d'ailleurs. Quel qu'il soit. Mais il y a aussi des choses. نزمر نزمر نغير ديكتي وين وي راح تصنع غيدي باسكو نير داك كدينيك ديري وي فيام دوني دي زارغومون مي تي فا با ماتاكي كيني باسكو نير هكدا تي زيت سخن فوشي فهم يعني لا فيبلس دو كلكو جون ها سي فينالمون ني سي سي سا تروف لو كوت كش ما صحا مي سي افير ستان ايبوكريت هذا فا يسعى بتيت بوتي دو فريجيدير هذا فا هذا ان جور الزول هو وايض في الزولان هذا فا يحملها ثيرش يحمل ثيلا و سي سون شوا جو مون فو سي تا في في سكو تو في جو مون فو ميم لو كان يداوي مسيو يداوي يبغي تفير سكي فو انا من مين مازال تفهم مالا بون سا سوفي كوم سا parce que c'est ma gorge qui prend un coup. On va voir qui est là. Mais je ne sais pas qu'on est sarin. Qu'on est à l'arbre, il m'a dit.